notre ami François Scon par le colonel Didier Godet. En ouverture de cette cérémonie, nous allons écouter le chant des partisans, hymne de la résistance. Pour leur porte-drapeau, en Baudrier. Amplement mérité les honneurs qui lui sont rendus aujourd'hui.
par son action dans la résistance qui entraîna sa déportation. Dans une période précédant 1945 et, depuis cette date de retour des camps, par l'exemplarité de sa vie faite de dévouement à la collectivité et à la cause des combattants volontaires de la résistance et de la déportation. Que l'on en juge. Françoise Comte était étudiante et avait à peine 16 ans à l'époque. Toute sa famille, grands-parents et parents, animés d'un patriotisme militant, est au nom de ces Français qui refusent d'accepter la défaite de 1940. Dès 1941, elle participe aux actions clandestines de son père, qui assume de grandes responsabilités dans la résistance Normandie-Bretagne, avec le réseau Centurie en particulier. Il sera le chef du BOA, Bureau des opérations aériennes, c'est Édouard Paysan, pseudonyme Dominique Tangeval. Et échappé par deux fois à la Gestapo, menacé par l'arrestation de son père, de sa mère et de sa fille Françoise, il refusera courageusement le passage en Angleterre qui lui était proposé. Dominique disparaîtra à Pontivy avec la destruction du maquis de Saint-Marcel en juillet 1944. Agent de liaison et de renseignement, malgré son jeune âge, Françoise apporte sa précieuse contribution à la résistance. Entre autres, la précision d'un croquis fait par elle de la station de Brunval au Cap Nantifère contribuera à la destruction de ce centre de surveillance par les plongeurs anglais aidés par la résistance de Seine-Maritime. Les kilomètres parcourus à bicyclette sont impressionnants. Depuis la région C, elle rayonne sur Argentan, 20 km, Sillé-Guillaume, 45 km, Saint-Louis-sur-Sarthon, 30 km, Alençon, 22 km. Elle achemine des messages, transporte des fausses cartes d'identité, mais également des armes légères dans les sacoches de cyclone. Malgré cette dure mise à l'épreuve physique et morale, elle passe avec succès son baccalauréat en juin 1942. À signaler encore qu'elle servira de guide à des aviateurs polonais en transit sur une filière d'évasion. Cette périlleuse activité de passeur sera d'ailleurs la cause de sa toute. Le 4 juillet 1943, une forteresse volante est abattue dans la région de C et s'écrase à Saint-Clair-en-Belfort. Édouard Paysan et les membres de son groupe, comprenant sa famille, interviennent. Se joignent à eux des volontaires, dont un médecin et des gendarmes. Ils s'organisent pour participer à la récupération au camouflage, aux soins apportés à cet équipage en détresse. 6 aviateurs, 4 valides et 2 blessés, rejoindront l'Angleterre. Le prix de ce sauvetage sera lourd. 14 Français seront déportés, 7 le paieront de leur vie. Le 15 juillet, le grand-père de Françoise et sa grand-mère seront arrêtés. Le 21 juillet, Madame le Paysan, sa mère et elle-même seront emprisonnés à leur tour, ainsi que sa sœur et son jeune frère. Commence alors, pour la mère et la fille, la vie de cauchemar que l'on peut imaginer. Retenues à la caserne de Valazé à Alençon, elles seront dirigées sur le palais de justice à Rouen. Longuement et durement interrogées à la tour Jeanne d'Arc, on les transférera ensuite à la prison Bonne Nouvelle, toujours à Rouen. Quelqu'un ayant parlé sous la torture, Françoise est de retour à Alençon, au château des Ducs, d'où elle sera emmenée au Mans
puis retour à Alençon, dans les locaux des SS de la rue Anne-Marie Jaboulet. Ayons toujours à l'esprit que Françoise n'avait que 16-17 ans. Terrible période. Mais Françoise n'a jamais parlé. Son silence décidera de son sort. Ce sera destination Romainville et départ le 3 août 1944 pour le camp de Ravensbrück où, le 14 août, elle retrouve sa mère. Et un autre calvaire commence. Dirigée vers Gartenfeld, commando de Sachsenhausen, pour travailler au KV4 de l'usine Siemens, labeur pénible, consistant au transport de câbles et de cuivre pour pousser des chariots. Elle aura pour souci, nous dit-on, de retarder la production. Après le bombardement de l'usine et la complète destruction des barrages du camp, elle reviendra à Sachsenhausen, où elle sera libérée par les Russes le 25 avril 1945 et par les troupes américaines en échange de prisonniers soviétiques. Plus d'un mois pour revenir à Paris, le 3 juin 1945, et retroussée dans la plus grande solitude. Sa mère est restée au revers, traduction infirmerie, c'est un euphémisme, de Sachsenhausen. Son père est porté disparu, sa maison entière pillée, dénuement total, le résidu double, hôpital, un an de repos forcé. D'autres que Françoise auraient sombré dans la dépression. Mais ses malheurs n'ont pas altéré sa force de caractère. À sa sortie de l'hôpital, espérant encore le retour de son père, elle a retrouvé sa mère. Elle entreprend avec elle de faire repartir l'entreprise familiale de travaux publics. Nouveau défi pour les deux femmes. Françoise constate que le baccalauréat n'est qu'une bonne base, mais insuffisant pour son projet. Elle décide donc de reprendre ses études. Précurseur dans la formation en alternance, elle obtient de ne suivre des cours que 3 jours par semaine. Ce sera donc 3 jours à Paris et 4 à C. Malgré ce handicap, en 2 ans, elle réussit son diplôme d'ingénieur. Elle se marie avec Pierre Comte. La famille s'agrandira de 4 enfants. Françoise aurait pu se contenter d'une vie personnelle bien remplie par des préoccupations professionnelles ou familiales et bénéficier d'une quiétude bien méritée. Et il n'en fut rien, et au contraire. Terrible expérience vécue, les risques encourus et les souffrances tant physiques que morales endurées l'ont conduite à un humanisme actif fait de compassion et d'empathie, de dévouement pour une société qui l'avait ô combien malmenée dans sa jeunesse. Sa carrière dans le bénévolat est significative. Pendant 20 ans, elle sera responsable des guides de France au niveau départemental et régional. Elle est présidente de l'association C Animation Service, chaque mercredi, atelier pédagogique pour les jeunes enfants, puis en semaine, atelier de couture pour l'adulte. Elle anime une association intermédiaire, travail et partage, dont l'objectif est la réinsertion de demandeurs d'emploi. Après de nombreuses années dans la fonction de secrétaire de l'association des déportés de l'Orne, elle a été élue présidente en exercice de cette association et succède à notre amie Marie Croiset, que nous saluons respectueusement et affectueusement. Présidente donc des combattants volontaires de la Résistance. Françoise est également vice-présidente du conseil départemental de l'ONAC, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et dans ce conseil préside la commission Solidarité. Dernièrement, on lui a fait l'honneur d'être la marraine du drapeau départemental du souvenir français. Elle anime un nombre de causeries pour témoigner de la résistance et de la déportation dans les établissements scolaires. Œuvre inlassable de mémoire, couronnée chaque année par le concours national de la résistance et de la déportation,
présidée dans l'Orne par Monsieur le Préfet. Enfin, engagement municipal, elle est conseillère dans sa commune de C. Françoise Comte est titulaire de la Croix du Combattant, de la Croix du Combattant de Rotterdam, de la Médaille de la Résistance, Croix de guerre 1939-1945, citation avec Paris. Nommée chevalier de la Légion d'honneur le 19 janvier 1970, promu officier de la Légion d'honneur le 29 avril 1983, avec élévation due au grade de commandeur de la Légion d'honneur en avril de cette année 2006. Mieux que tout autre commentaire, cette citation à l'ordre de donation de votre croix de guerre résume mon propos à la louange de Françoise Comte, lieutenant des forces françaises combattantes. Agent du BOA, région M, depuis mars 1943, a participé à des transports et des camouflages d'armes, à des repérages de terrains de parachutage, au recrutement d'équipes de liaison et courriers. Recherché par la Gestapo, a pris le maquis en juillet 1943. Arrêté le même mois avec plusieurs membres de sa famille, n'a rien révélé à la Gestapo malgré son jeune âge. Déporté en Allemagne, s'est efforcé sans cesse de saboter son travail en usine. A fait preuve d'un patriotisme et d'un courage extraordinaire. Signé par le Premier ministre Chaban-Delmas, le ministre de la Défense nationale Michel Debré et le président de la République Georges Pompidou. Et comme elle est évoquée dans ce texte de citation, ayons une pensée pour la famille de Françoise. Cette famille qui partage l'honneur qui lui est fait. Ceux qui sont aujourd'hui avec nous, mais également ceux qui payèrent un lourd tribut à la cause de la résistance. Une plaque mémoriale apposée sur la façade de l'entreprise familiale garde leur nom gravé dans la pierre. Nous y associons le nom de Madeleine Paysan, mère de Françoise, résistante déportée, revenue de Ravensbrück-Sachsenhausen, décédée en 1973. Et nous pouvons lire sur cette plaque, entourant un médaillon de bronze, à la glorieuse mémoire d'Édouard Paysan, père de Françoise, 1904-1944, Dominique Dingeroy, son pseudonyme dans la Résistance, chevalier de la Légion d'honneur, médaille de la Résistance, croix de guerre 1939-1945, médaille au Trilôme, arrêté et disparu à Pontivy en juin 1944, mort pour la France. De son père, Édouard Paysan, c'est-à-dire grand-père de Françoise, 1875-1944, déporté de la Résistance, mort pour la France, à Buchenwald, le 19 mars 1944, et de Louise Paysan, la grand-mère de Françoise, 1880-1945, déporté de la Résistance, morte pour la France à Ravensbrück, le 24 janvier 1945, avec cet épitaphe. Ils ont préféré mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Après l'évocation de ce passé, vous dire l'honneur et la satisfaction que nous avons, Madame Françoise Comte, de vous recevoir dans votre nouveau grade de commandeur de la Légion d'honneur. Au nom du Président de la République et en vertu des devoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de la Légion d'honneur.
beaucoup de joie que vos amis de la société d'entraide des membres de la Légion d'honneur ont appris votre promotion. Vous rejoignez Marie-Antoinette Croiset, qui a été citée tout à l'heure. Vous rejoignez également Pierre de Montesson. Vous rejoignez Georges de Rennes, notre ami Serge Lecroix et Didier Godet, qui vous a fait l'éloge précédent. Nos amis de la Légion d'honneur ont pensé qu'ils pouvaient marquer leur attention à votre égard, non pas avec un poignard ou une épée, mais avec quelque chose de plus féminin qui se rapproche plus de votre grâce et de votre charme. Ils ont décidé de vous donner de la soie, et la soie du bicentenaire. Et la soie du bicentenaire. Bonjour à tous. Vous me voyez pleine de gratitude et de confusion aussi devant tant de personnalités et d'amis qui sont venus m'entourer pour fêter ma promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur. Merci, monsieur le préfet. Votre présence donne une très grande solennité à cette cérémonie. Merci, monsieur Burel, président du Conseil général. Votre gentillesse à mon égard permet que nous soyons ici, dans le palais d'Argentré, dont j'aime particulièrement l'architecture. Merci, monsieur Terre-Noire, parce que c'est vous qui avez initié cette promotion. Merci, colonel Godet, d'avoir accepté d'être mon parrain. Vous venez de rappeler, colonel, ce qu'est cet ordre prestigieux. Vous venez de rappeler que d'y être admis est une récompense. Mais je vous suis reconnaissante d'avoir rappelé qu'être légionnaire comporte des devoirs. Et j'en suis tout à fait consciente. Et je ferai de mon mieux pour ne pas faillir. Vous venez de dire ce que fut ma vie jusqu'à présent. Mais voyez-vous, colonel, si j'ai une vie si bien remplie, c'est d'abord parce que mes parents ont été exigeants et lucides. C'est aussi parce que j'ai eu la chance. Chance que n'ont eu ni mon frère ni ma sœur, parce qu'ils étaient plus jeunes que moi. J'ai eu la chance donc de profiter de papa jusqu'à mes 16 ans. Ensuite, je n'ai plus qu'à suivre la voie tracée. Cela a été le terreau dans ma vie, dont ma vie s'est nourrie. Mais aurais-je pu bien pousser dans ce terreau si je n'avais pas toujours eu près de moi des proches, des amis de grande probité, de grande valeur, résistants, amis de mon père? Aurais-je pu suivre cette voie tracée si mon époux n'avait pas accepté que je sois pas confortable tous les jours et soit absente du logis? Aurais-je pu suivre cette voie tracée s'il ne s'était pas trouvé des équipiers ou des équipières, des amis, pour partager ce qui nous était donné de vivre ensemble, que ce fût dans ma vie professionnelle, dans le scoutisme ou dans les diverses associations auxquelles j'appartiens.
Voilà pourquoi je dis merci à tous ceux qui sont ici présents, à tous ceux qui ne peuvent être présents, et aussi à ceux qui ne sont plus. Merci pour l'affection dont on sent que la salle est toute pleine. Merci pour toutes les attentions que vous avez manifestées à mon égard. Enfin, colonel, je vous promets de faire honneur à cette cravate que vous venez de me remettre. Et maintenant, je vous invite, quand on aura ouvert les portes, à partager le verre de l'amitié. On a dit qu'on y allait. Il y en a qui bossent là, on n'était pas trop gentils. Oui, mais je peux pas dire un petit bonjour à Mario. De toute façon, tu vas à la maison. 2006. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le directeur du service départemental des anciens combattants, monsieur le colonel délégué militaire départemental, mesdames et messieurs les présidents des associations. Tout à l'heure, quelques heures, au cimetière de l'Aume Chamondeau, en souvenir du 9 août 44. Nous sommes ici, devant ce monument aux morts, où sont gravés les noms des résistants du maquis de Saint-Cyr-la-Rosière, repliés au lieu dit les Corbinières, non loin d'ici, sur la commune d'Arlay. Avant l'appel des morts, il peut être bon de se remémorer les événements de 1944, même sommairement. Depuis qu'ils ont reçu fin mai 44 une dotation d'armes, 1500 kilos, provenant du dépôt de Courjou, ceci grâce à Ernest Voyer et René Croisé, qui étaient responsables au sein du BOA de l'Orne de la répartition des armes reçues. Et après le débarquement allié du 6 juin, les maquisards du groupe d'Alphonse Baudron multiplient les actions de déstabilisation de l'armée allemande, comme entre autres l'attaque de voitures, de camions, de siphonnage d'essence dans les véhicules allemands, des embuscades visant à neutraliser des convois allemands, île de Brandt décide de sévir. Et le 4 août 1944, au matin, une vingtaine d'Allemands accompagnés de Bernard Jardin et de son adjoint Eugène Duru, encercle la maison des Corbinières, pas loin d'ici, où s'est replié le groupe Baudron. Les maquisards ont des armes, et bien sûr, ils essaient de se défendre. Mais devant la puissance de feu des Allemands, ils finissent par renoncer au combat.
plusieurs d'entre eux peuvent s'échapper. Sauf ceux dont les noms sont gravés ici. Ils sont morts, contrairement à ceux de Longchamondo, dans le feu de l'action, remplis de l'enthousiasme de la victoire toute proche. Nous aurons à cœur, tous ici présents, pendant la minute de silence qui va suivre, de dire merci. Merci à eux d'avoir eu le courage de dire non à l'occupant et d'avoir pris le risque d'avoir à donner leur vie pour la liberté de notre pays. François Scroll, à la demande du grand chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur et en ma qualité de président départemental de la société d'entraide des membres de la Légion d'honneur, je vous remets votre diplôme de commandeur dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Merci. Vous étiez le charme. Merci François. Merci.